Eh bien, pour commencer, buongiorno à tous. Vu que la musique est italienne, il faut rendre à César ce qui est à César. Alors, pour commencer, dans ma deuxième vidéo, je vais essayer de moins bégayer que sur la première. Et vu que je suis un garçon qui aime beaucoup les risques, il est vrai que je ne suis pas dans le montage vidéo. Mais je peux vous promettre que dans mes prochains tutoriels, je ferai l'effort de vous proposer un travail un peu plus professionnel, on va dire semi-pro. Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de la vertu de la pratique de la musique. Et j'ai même envie de vous dire, je vais vous parler de la vertu de la pratique d'un instrument, plus exactement. Et puis, les anecdotes qu'il y a autour. Qu'est-ce que nous permet la pratique d'un instrument? Déjà, dans un premier temps, la confiance en soi. Dans un deuxième temps, il y a des études qui ont été faites sur des batteurs. Ils ont en laboratoire et ils ont remarqué que les batteurs, généralement, arrivaient à faire fonctionner les deux hémisphères de leur cerveau, ce qui est très rare. En fait, dans notre vie de tous les jours, en majeure partie, il y a soit le côté gauche ou soit le côté droit qui fonctionne. Et quand les deux sont simultanés, c'est très rare. Donc ça peut se retrouver dans la ferveur, dans la prière, des choses comme ça, ou dans la méditation, et dans la musique également. Donc c'est vraiment des choses qui n'arrivent pas comme ça. C'est la pratique, sûrement la pratique aussi de certains arts martiaux, comme certains arts martiaux, comme le kung fu ou des choses comme ça, je pense, où peut y avoir parfois la synchronisation entre les deux cerveaux. Donc comme vous le savez, je suis bassiste, et ce qui est bien dans la basse, c'est qu'on a la mélodie et la rythmique. Et la rythmique nous pousse à faire fonctionner les deux hémisphères. Voilà pourquoi la pratique de mon instrument est très intéressante pour justement la cohésion cérébrale. Donc, comme je vous ai expliqué, ils ont fait des études, et ça, c'est quelque chose, c'est indéniable. La chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont remarqué que la pratique de l'instrument pouvait prévenir les maladies d'Alzheimer, par exemple. Il y a aussi le jonglage. Et des exercices qui sont très intéressants à faire quand on est musicien, c'est des exercices de cohésion. C'est-à-dire lever la main droite et lever le pied gauche et la jambe gauche. Ainsi de suite. Lever la main gauche et lever le pied droit. Et faire cet exercice comme ça. 5 minutes tous les jours peut permettre aussi de rééquilibrer toutes les cohésions nécessaires pour pouvoir pratiquer des choses comme le slapping ou des trucs où il faut de la mélodie et de la rythmique. Donc ça, c'est des petits tuyaux que je peux vous donner. Voilà. Maintenant, il est vrai que pour pratiquer un instrument, il est important de faire du sport parce que ça, évidemment, ça nettoie la tête. Donc ça, il est évident que si on veut être musicien professionnel, il est important de savoir faire du sport. Ça, c'est entre parenthèses, vraiment, il faut vraiment le savoir. Donc, je vais faire une petite aussi dégression puisqu'on parlait de la maladie d'Alzheimer sur Ravel, qui est quand même un cas particulier puisqu'à la fin de sa vie, il souffrait d'une maladie des musiciens qui est assez rare. Il perdait les notes et il connaissait plus la musique, quoi. C'est comme une forme de maladie d'Alzheimer, mais pour les musiciens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très rare. Donc la musique peut rendre fou aussi, hein, faut savoir. Trop de pratiques de musique, rester constamment à faire de la musique, ça peut rendre fou. Hein, faut le savoir. Il faut vraiment. Moi, je pense avoir atteint des limites où il était temps de m'arrêter. Ça, c'est personnel. J'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, pour revenir à Ravel, il avait perdu tout le sens musical. Il se reconnaissait plus les notes, plus rien. Moi, je pense personnellement qu'on l'a empoisonné parce qu'il y a eu des jaloux qui étaient jaloux de son succès, tout simplement. Après, bon, ça reste dans le complotisme, on va dire, mais c'est des choses qui circulent et qui méritent quand même une contre-enquête. Mis à part. Puis une digression aussi vite fait, puisque j'en vis, sur Wagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wagner a été connu, il a été connu 70 ans après sa mort. Faut le savoir. Un ami, enfin un ami, il correspondait avec Nietzsche, hein, notamment.
On disait que la musique de Wagner était une musique qui pouvait rendre fou. Je peux vous assurer que j'en ai écouté, je me porte assez bien. Mais déjà avant d'écouter Wagner, j'étais déjà un peu folichon, on va dire. Donc c'est une petite digression comme ça. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir sur la musique, c'est la puissance, en fait, dans l'histoire des civilisations. Je vais prendre un exemple concret qui va parler à tout le monde. Nous sommes en France. Vous avez sûrement étudié un petit peu l'histoire de France. Pendant les guerres napoléoniennes, ce qu'il faut savoir, c'est que les guerres d'avant sont pas les guerres modernes. Sur le champ de bataille, donc, il y avait l'artillerie, les soldats, les grenadiers, les dragons, bref. Mais il y avait aussi un corps de militaires très important qui étaient les musiciens. Et les musiciens français ont donné énormément de courage aux troupes. Et il faut savoir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas mangé pendant des jours et qui ont réussi à vaincre leur peur et aller au bout d'eux-mêmes grâce à la musique. Il y a même j'ai lu beaucoup de livres d'histoire sur les guerres napoléoniennes, j'ai lu beaucoup de choses. Et il y a une petite anecdote où ils disent que la musique était tellement forte qu'on n'entendait même pas le cri des grognards sur le champ de bataille. Et le courage des musiciens aussi, qui continuaient, ceux qui jouaient du tambour, continuaient à jouer du tambour jusqu'à en mourir, hein. Donc c'est la puissance de la musique aussi, elle est au-delà de ce qu'on peut penser. Donc au-delà de mon petit concept, quand même, on est sur un sujet qui est très important en ce qui concerne la civilisation humaine. Voilà. Alors ça, c'était une petite digression également que j'avais vraiment besoin d'en parler, hein. J'ai pris quelques notes pour que ma trame, que j'évite de bégayer comme la dernière fois. Donc voilà. Donc je pense qu'on a parlé de ça. Ça, c'était très très important. Donc la suite aussi que je voulais vous parler, c'est les musiques de l'Orient. Les musiques de l'Orient sont pas comme les musiques occidentales. Alors vous me direz pourquoi les timbres, les harmonies ne sont pas les mêmes. Parce que nous, on va dire que l'Occident a synthétisé, en fait, enfin, c'est compliqué, les musiques de l'Orient, que ce soit Inde, que ce soit l'Inde ou que ce soit l'Asie, c'est différent parce que eux, leurs harmonies sont encore séparées. Ça veut dire que le ré dièse, nous on a le ré dièse ou le ré bémol. Eh bien, eux, le ré dièse, ils le décomposent encore en harmonie. Donc, il y a encore des harmonies dans le ré dièse, comme le ré bémol, les demi-tons, ils découpent encore les harmonies. Donc, ils multiplient les harmonies. Alors que nous, on en a deux, eux peuvent les multiplier par quatre, six, enfin, après, selon les traditions et les cultures. Ce qu'il faut savoir aussi, je vais faire une petite intermédiaire, on parle des civilisations, sur les religions. Toutes les religions, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit l'orthodoxie pour les Russes, que ce soit la religion musulmane, ou que ce soit pour les bouddhismes et l'hindouisme, eh bien toutes ces civilisations-là ont un point commun. Ils font tous de la musique dans la religion. Tous. L'appel à la prière, c'est des techniques vocales très, très difficiles à tenir. On n'est pas dans la rigolade, il faut le savoir. J'ai eu la chance, moi, d'aller au Maroc et de rencontrer des vrais Marocains, pas des franco-marocains, des vrais Marocains. Et la technique est très complexe. On n'est pas dans le jeu. C'est un exemple. Par exemple, en Inde, ce qu'il faut savoir, c'est quand un jeune musicien veut apprendre la sitar indienne, il faut obligatoirement que l'enfant apprenne pendant 8 ans. Il faut que l'enfant apprenne pendant 8 ans la pratique de la sitar. Ça veut dire qu'il s'assoit devant son maître et il le regarde pendant 8 ans sans toucher l'instrument. Il faut que vous vous rendiez compte que la manière dont on apprend l'instrument dans les autres civilisations sont aussi complexes que dans nos conservatoires à nous. Il faut le savoir. Donc l'enfant regarde pendant 8 ans son père ou le maître jouer, et à partir de 8 ans, il a le droit de toucher l'instrument. Et croyez-moi qu'après 8 ans, quand il touche l'instrument, je peux vous promettre que
il y a beaucoup de gens qui ne joueraient pas avec eux niveau technique. Il faut le savoir. Donc ça, c'est des choses aussi que j'ai appris. J'ai eu la chance aussi de rencontrer un monsieur comme les familles de forains en France depuis des centaines d'années, lui, il faisait les mariages et il était musicien de père en fils. Son fils aussi apprenait. J'ai eu la chance d'aller chez lui. Il était d'origine turque, hein, un vrai, hein, pas un franco-turc, hein, et qui faisait les mariages. Il était très connu sur Orléans, même toutes les communautés, Lyon jusqu'à Lille. Et c'était une troupe de musiciens qui faisait les mariages turcs, comme les mariages tunisiens ont leurs musiciens, comme il y a la civilisation de l'Orient qui ont une musique similaire, mais chaque pays ont encore leur folklore. Ça, il faut le savoir. Et il m'avait même montré une sitar électrique parce qu'il me disait, tu sais, dans les années 60, c'était le rock, mais nous aussi, en Turquie, on avait bidouillé nos sitars et ils faisaient des sitars électriques. J'ai trouvé ça très drôle. Et voilà. Et un monsieur très humble, avec énormément de lumière, qui je passe le bonjour. Je vous parle de ça. On était en 2005, donc ça date déjà. Je ne sais pas où est ce monsieur, mais il était déjà très âgé. Et il m'a donné, je l'ai vu jouer à plusieurs reprises, et j'ai appris beaucoup avec lui. Donc voilà, ça c'est la chose que je voulais vous dire. Donc voilà, donc je pense que ce qu'il faut retenir, donc c'est que la pratique de l'instrument vous permet une confiance en vous, la cohésion entre vos deux hémisphères. Donc ça veut dire que pour le niveau professionnel, c'est très bon. La musique, c'est vraiment très bon parce que ça peut vous permettre de vous dépasser, du moins cérébralement. Et si le cérébral fonctionne, le physique doit suivre. Après ça reste mon avis. Voilà, bon, bah, pour cette deuxième vidéo, je crois que ce sera tout. J'en referai encore une autre plus explicative et un petit peu plus travaillée. Bon, là, c'est quelques petites anecdotes que j'avais envie de parler avec vous. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant, si ce n'est que je vais commencer à faire bien évidemment les tutos pour les débutants. Et si vous n'êtes pas débutant, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Mais d'ailleurs, je vous invite déjà à vous inscrire dans une école de musique. Et si vous ne pouvez pas, au moins de prendre un professeur de basse, ça aide. Ou à moins, comme je vous l'ai dit, que vous êtes autodidacte et que vous pouvez apprendre à l'aide de méthodes. Vous pouvez déjà, dans un premier temps, acheter une méthode pour les débutants basse. Il y en a énormément. Je vous donnerai sur lesquels j'ai pu travailler, mais il y en a énormément. Vous allez en librairie, enfin c'est les librairies, je ne sais pas s'ils font, mais si vous avez la chance d'avoir encore un magasin de musique dans votre ville, n'hésitez pas à poser toutes les questions aux vendeurs. Voilà, bah, écoutez, je vous dis au revoir et puis j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu et qu'elle aura été un petit peu plus fluide que la première. Au revoir.